Good morning, allez, Eden, les sur aujourd'hui, les Lunishmat, Machlouf, Micha, Ben Masouda, Nachman Yosef, Ben Nachum, Avram, Chaynor, Ben Fortune, Mazal, Ben Yudit, Nissan, Ben Mefret. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah à contacter les 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Tamid, Perig Gimel, Mishnah Aleph. Amar Lahem, Amemune, Bouve, Afisou, Mishochet, Mizorek, Mimedachen, Mizbeach, Apinimit. Mimedachen est Amenora, Mima, Le Evarim, La Kevesh, Harosh, Ve Arigel, ושתי הידיים, העוקץ, העוקץ והרגל, החזה והגרה, ושתי דפנות, הקרביים, והסולט, והחביתין, והיין, אפיסו, זכה מי שזכה. On commence à traduire d'un trait toute la Mishnah, et qu'après on va refaire de l'ordre dans tout ce qui a été dit. Le principe est très simple. D'abord, fin du Perek Bet. On avait expliqué que les Kohanim avaient fini d'organiser tous les bûchers sur le Misbéar, Maharach Hagdola, Maharach Haktana, Maharach Nashal Ketoret, les deux bûchers où de là-bas on allait faire brûler tous les membres de la journée, jusqu'au lendemain, tous les membres des corbanotes et les graisses. Dans le deuxième, c'était juste pour pouvoir prélever les cendres pour le faire entrer et allumer le misbéach apnimi. Une fois qu'ils avaient fini de tout organiser, de refaire griller aussi les morceaux de viande qui n'avaient pas été consumés toute la nuit, on les remettait sur le misbéach. Après, on avait appris dans la Mishnah, dans la dernière Mishnah, que les Kohanim redescendaient du Kevesh et se donnaient tous rendez-vous dans la Lishkat Agazit. La Lishkat Agazit, c'était ici une grande salle, il y avait Aval Sanhedrin. On aura l'occasion d'expliquer dans Maserhet Midot tout ce qui se passait dans la Lishkat Agazit. Pour notre propos, on a les Kohanim donc qui se retrouvaient ici. Pour le moment, on n'a fait que du travail de préparation, de nettoyage, d'organisation. Le Bet HaMikdash, il est prêt à démarrer. On a rallumé le feu sur le Mizbéach. Et puis maintenant, on va commencer en vue du Korban Tamid. C'est là l'essentiel où on va aboutir. Le Korban Tamid, ça implique... Il y a deux holot qu'on a porté tous les jours, Korban Tamid. Hola, Baboker, et une hola, l'après-midi. L'un, c'est l'ouverture des Korbanot, et l'autre, c'est la fermeture des Korbanot. On ne fait pas de Korban avant le Korban Tamid, on ne fait pas de Korban après le Korban Tamid chez Ben Arbaim. Juste pendant ces... D'accord? Un, il ouvre le Mizbeach, l'autre, il ferme. C'est le Korban Olat Tamid, donc là, c'est le but. Maintenant, autour du Korban Tamid, ça implique... Peut-être que je commence par là, d'ailleurs, ce sera plus facile. On commence donc le Korban Tamid, ça implique de lui faire la shrita, d'asperger son sang, et de le sectionner en plusieurs morceaux pour ensuite faire monter tous les membres sur le misbéach. Mais ça implique aussi deux autres avodot en parallèle, un peu plus même, mais deux essentiels qu'on va voir tout de suite dans le début de la Mishnah. C'est à la fois la menorah, je sais plus comment c'est dit dans les psukim du Korban Tamid. Et il faudra le faire, peu importe. Dans la Ktoret, il faut à la fois apporter la Ktoret, et à part ça aussi, Behativo et Anurot, Ben Arbaim et Tana. Je sais plus, j'inverse les psukim, je les ai pentés tout de suite. Mais en tout cas, dans les versets, on dit explicitement qu'on lit le Korban Tamid avec la Ktoret sur le Mizbeach Hazav, et aussi la Hatavat Anurot, qu'on expliquera ensuite c'est quoi exactement la Hatavat Anurot. D'abord, je donne une Tmouna, un aperçu général de la Mishnah. Donc le but, c'est d'aboutir au Korban Tamid. Maintenant, le Korban Tamid, ça implique aussi toutes sortes de avodot pour le Korban Tamid, et aussi en parallèle avec le Korban Tamid. Pour le Korban Tamid, c'est le but de la Mishnah, c'est ce que j'ai compté sur les doigts. En fait, en réalité, on va tirer au sort 13 personnes. Mais c'est pas qu'on va faire 13 tirages au sort. On va faire un seul tirage au sort, ou avec une technique spéciale qu'on a déjà expliquée, on disait un chiffre, et on commençait à compter les nombres de Kohanim jusqu'à qu'on arrivait à 1 spécialement. Et puis à partir de lui, alors, on donnait pour les 13 suivants, on leur donnait le prix qui arrive ensuite, tous les 13 avodot qu'on va avoir. Ça implique quoi ces 13 avodot? Peut-être qu'on va commencer maintenant par traduire la Mishnah, puis après on va refaire un petit peu de l'ordre, à la fois chronologique et de prestige aussi un petit peu. La Mishnah me dit, d'abord, donc Amar Lahem Amemouné, le responsable sur la circulation du Bet HaMikdash, comment ça se passe, l'avoda entre les Kohanim. Alors le responsable, il les invite, il leur dit « Bouve Afisou, venez, on va faire un tirage au sort. » Mishochet, qui fait la shrita du Korban Tamid? Mizorek, qui va asperger le sang, qui s'implique en réalité de réceptionner le sang, la porter sur le misbéach et l'asperger. Vous vous rappelez, dans Svachim, 4 avodot. Shrita Kabbalah ou la Chazrika, un il fait la shrita, l'autre il fait les 3 autres. Parce que le but de Kabbalah et Olacha, c'est la Zrika. Donc on donne tout à la même personne. Shrita pour un, et Zrika pour l'autre, donc ça fait déjà 2. Ensuite, Mimedachen Misbeach Apnimi, qui va vider les cendres du Misbeach Apnimi, lui. Mimedachen et Amenora,
qui va maintenant vider les cendres de la menorah, parce que dans les cendres, lorsqu'on allume une mèche, après on se retrouve avec un petit bout de charbon comme ça, la mèche qui a cramé, quoi. Eh bien, il va falloir maintenant vider aussi cette cendre et les restes, éventuellement, toutes les différentes impuretés et restes qu'il va y avoir, il fallait toutes les vider et préparer les nérotes ensuite. Donc, qui va vider les cendres? Ça fait déjà maintenant 4 avodot. Maintenant, une fois qu'on a égorgé le tamid, alors il va falloir maintenant décider, désigner des personnes qui vont faire monter les membres du korban tamid. Sur ça, on va en avoir, je ne sais plus en tête, ça fait peut-être 6, je crois, qui sont Mimale Varim la Kevesh, qui va faire monter les membres sur le Kevesh. Alors là, ça se passe comme ça. Ça se passe par deux en fait. Arosh va régaler la tête et le pied. Je crois que c'était le pied droit ou gauche, je ne sais plus. On avait déjà appris que lorsqu'on dépaisse l'animal, on l'accroche, on l'ouvre, tout le ventre. Et puis après, on va retirer la peau comme on pourrait retirer un manteau, comme ça. Et il va s'avérer qu'il va y avoir le bout, la tête, qui va être attaché avec le pied. Donc les deux en même temps. D'accord? Ça va ensemble. Arosh va régaler, ça va toujours ensemble. Ushte ayadaim, les deux mains, les deux pattes avant, c'était un deuxième Kohen. Haoketz va régaler, le Haoketz c'est la partie arrière, avec le régal aussi le deuxième pied, puisque le premier pied était passé avec la tête, maintenant voilà. Et Chazé va gera. Et Chazé va gera. Alors, et Chazé c'est le torse, les graisses qui sont faites sur le torse, avec la gera. La gera c'est la trachée artère, dans c'est l'autre. C'est l'œsophage. Mais en réalité, ça implique qu'il y a avec ça aussi tout le. Ça va ensemble aussi dans la Gemara tout le temps. Le tronc, où il y a là-bas le foie, l'estomac, le cœur et les poumons. Ça va ensemble. D'accord? Ça va porter comme ça, j'espère que j'en ai manqué aucun. Ve'agera, makom sheouma legera, non, c'est pas lui. Ah, ubo mechobrem kane area, imakaved ve'alev. D'accord? Donc les poumons, avec le foie et avec le cœur. Le morceau comme ça, j'en ai compté 4, qu'est-ce que j'ai rajouté, je sais plus. En tout cas, bon, c'est écrit, donc on fait confiance. La guerre à Ushtein Fanot, à part ça, il fallait les deux Fanot, c'est les deux parties les deux côtes. Ouais, il me semble. Je suis pas un grand professionnel de l'anatomie des animaux, mais je crois que c'est ça. Il y avait les deux Fanot, c'était les deux basse-côtes, je sais pas exactement. D'accord? Et on a ensuite Ushtefanot, donc Akravaim, c'est les entrailles, la kishke, comme on dit en yiddish. Et ensuite, Veasto, et après, il nous reste maintenant, donc on a fini avec les membres de l'animal, donc on a eu Arosh Varengel, Shtoyadaim, Aoket Varengel, et Chazé Vagera, Ushtefanot, Vakravaim, donc ça fait 6. Après, tout Korban, bien évidemment, on mange de la viande, il faut bien aussi du pain et du vin, Nahon. Eh bien, il faut Assolet, la Mincha. La mincha, une mincha de solette, avec tous les corbanotes dont on apporte toujours une mincha de solette. Ensuite, va chavitin. Chavitin, alors là, regardez, après il va y avoir ayin, d'accord? Ayin, c'est le vin, c'est pour conclure que ça va toujours ensemble. Tout corban qu'on fait, il ne va pas tant plus de ça. Comment dire le Rosh Hashanah? Veniskem, chatsiayin, il y a la part, shilishit ayin, il y a la ayin, vitein, j'ai parlé du nesech ayin, mais il y avait aussi juste avant la solette mincha, belolavachem, venisko, je ne sais plus, dans les psukim, dans la parasha de Rosh Hashanah qu'on lit, où c'est écrit là-bas qu'on apporte toujours donc. Avec n'importe quel corban, la solette, une mincha de solette, une oblation de semoule, avec en plus du vin que l'on verse sur le misbéach. Et en plus de ça, il y avait même les chavitines. Alors chavitines, on l'a déjà découvert en fait. Il y avait la lishkata chavitine, on avait déjà vu dans le Perek Aleph que chavitine, c'était un Kohen, le Kohen Gadol, il devait apporter tous les jours une mincha spéciale, qui était faite avec 12 pains qu'il fallait partager en deux. La moitié qu'on faisait le matin, l'autre moitié qu'on apportait l'après-midi. C'est Mincha Travitin, c'est la vada du Kohen Gadol. Maintenant, c'est-à-dire quoi qu'il apporte? C'est-à-dire que c'est lui qui la paye de sa poche, mais il n'est pas obligé d'être présent tous les matins au Beit HaMikdash. Il nomme des gens qui vont lui faire, et puis d'autres Kohanim qui vont le faire en Beshlichut. D'accord? Et la Mishnah me dit, bon, alors, le Kohen les invite à faire le païs, et donc maintenant, il leur dit, Hafis et Hefisou, il leur dit, allez, venez, on fait le païs maintenant, passez à l'acte. Et donc, il a gagné au sort celui qui a reçu le tirage au sort. Voilà pour la Mishnah telle qu'elle est présentée. On l'a déjà expliqué, c'était pas mal. Il y a juste quelques petites remarques à préciser qui sont, tout d'abord, on a dit l'essentiel c'est le korban tamid. L'essentiel d'un korban toujours c'est d'asperger le sang. C'est pas de faire la shrita. La shrita elle est même kshera bezar.
Si vous voulez, vous pouvez partir au Batamigdash. Vous, vous faites la shrita du Corban. Par contre, la Kabbalat Adam, depuis le moment où on réceptionne le sang pour ensuite aller l'asperger, là, ça doit être fait que par des Kohanim. Comme dit le Pasouk, qu'on dit tous les matins dans les Korbanot, le Shachat Oto al Yerech Hamizbeach, Tzafona Lifne Hashem. On dit là-bas, il l'égorgera. Et après, tu dis, les enfants d'Aaron, ils aspergeront le sang. De là, la grande a déduit, c'est Shmuel Hanavi qui a fait cette racha. Il a dit, depuis la Zrika, il faut des Kohanim, mais la Shrita, c'est pas la peine d'avoir des Kohanim. Malgré tout, les Kohanim donnaient une importance spéciale à la Shrita du Korban, de tous les Korbanot, même du Korban Tamil, étant donné que c'est là, du Korban Tamil spécialement ici, parce que c'était là le début de la Avoda. Donc, du coup, c'était ça le premier prix. Ouais, lorsque. C'est-à-dire, j'ai manqué d'expliquer quelque chose, une évidence. Lorsqu'on tire au sort, alors on donne le premier prix d'abord. Ouais, celui qui a été le premier à être à mériter, alors c'est lui, on lui donne le meilleur prix. Donc du coup, lorsque tu me dis de faire la shrita, il y a un petit problème. Tu me dis de faire la shrita alors que la zrika est plus importante. Et la réponse, elle est que, effectivement, la shrita, les kohanim la considéraient plus, donc on donnait la shrita auparavant, avant la zrika. Ensuite. Il y a un problème technique, c'est que la Mishnah enseigne celui qui fait le Dishun Mizbech Apnimi et Dishun Amenora. Alors là, on explique deux petites choses. Tout d'abord, celui qui fait le Dishun Mizbech Apnimi, c'est on a dit qu'il va enlever les cendres. Le Bartanora rapporte qu'il ne se contente pas juste d'enlever les cendres. C'est aussi celui qui va faire l'actoret. Sur ça, le Keset Yom Tov, il le bombarde de questions. Parce que pour l'actoret, on apprendra qu'il y a un tirage au sort spécial. Il propose éventuellement de dire que non. Celui qui va faire le dishun mizbeach qui va vider les cendres, si c'est lui qui va prendre les braises et qui va les apporter, et on tirera au sort ensuite celui qui apportera la ktoret. D'accord? Donc retenez pour loin. Donc quand on a dit dishun mizbeach apnimi, tu vas vider les cendres, tu viens à propos, en fait, on vide les cendres, on les amène ici au makom deshen, et ça implique probablement le fait que le kohen y montait aussi ramasser les braises, il les apportait sur le mizbeach. Mais ça n'implique pas de donner la ktoret. Sur les braises. Ensuite, on a vu le Dishun Amenora, le fait de vider les cendres de la menorah. Pourquoi il faut vider les cendres de la menorah? Parce que toute mèche qui brûle, alors on a dit ça se transforme en charbon sur le nerf, et se transforme après en charbon, quoi. Ça vient, il va falloir vider toutes les impuretés qu'il y a, et re-remplir la menorah. Grande marloquette sur ça. Est-ce qu'on rallumait la menorah le matin? Ouais, la plupart des avis, des Rishonim et des Acharonim, on n'allumait pas la menorah le matin. Le Rambam et le Bartanora, il va selon lui, il pense qu'on rallume aussi la menorah. Ce sera discuté, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus longuement dans la fin du troisième Pérec. Il y aura là-bas un très bon Tosot Yom Tov. D'accord, je n'ai pas eu le temps de tout lire dans les détails, donc je ne préfère pas dire de choses non pas précises. Je l'étudierai Bezrat Hashem avant de la Mishnah, je vous donnerai un petit concentré de ce qui se passe. Il y a des trucs en discussion. En tout cas, il y a ici maintenant, lorsque tu me dis les Dachen à ta menorah, vider les cendres de la menorah, ça implique tout d'abord, quelque chose qui est accepté de tout le monde, préparer les nérodes pour le prochain allumage. Et une petite question technique, est-ce qu'on rallume concrètement ou bien on rallumera que le soir? Il y a une discussion sur ça. Et puis après, bon, bien sûr, alors c'est l'ordre des korbanot. Non, un point aussi important, c'est qu'en réalité, ces deux avodotes-là, de Dishun Mizbeach Apnimi, de vider le Mizbeach, donc préparer le Mizbeach pour faire l'actoret, et préparer la menorah aussi, c'était deux choses qui étaient faites avant, c'était deux avodot qui étaient faites avant la Shrita et la Zrika du Korban Tamid. Malgré tout, ils étaient en deuxième position, ils sont en deuxième position dans la Mishnah, selon le même principe, on donne le premier prix au meilleur, c'est-à-dire le prix le plus important, on le donne au premier qui a été tiré au sort. Donc du coup, on donne d'abord la Shrita et la Zrika, après on donne les deux prix un petit peu moins prestigieux, qui sont le Mizbeach Apnimi et la Menorah. Après, bien sûr, on va partager donc tous les membres du Korban Tamid, dans quel ordre les faire monter sur le Mizbeach, ça c'est classique. Il y a le même principe qui est retrouvé encore une fois dans Maserhet Yoma, si vous étudiez Yoma et Yom Kippour. Bien, il y a à peu près la même Mishnah, même la prochaine Mishnah aussi. Ça se ressemble, c'est normal. Dès qu'on va parler de chronologie du Batamigdash, on va rencontrer les mêmes principes. Pour notre propos, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov Salah.